Chers amis, chers spectateurs, vous êtes abonnés à la chaîne Twin Studio TV. Nous sommes là pour une émission que nous avons fait à chaque fois pour rencontrer un artiste. Artiste qui a fait le buzz en ce moment. Artiste qui a fait le buzz en ce moment. Nous allons l'inviter sur une chaîne. Pour commencer, n'oubliez pas de vous abonner à Twin Studio TV. C'est une chaîne YouTube. Twin Studio TV et dingen meuna suivre émission bi et dingen meuna aussi xam lepp li nga xamne moy activité ou Twin Studio. Alors ce soir aujourd'hui Twin Studio a le plaisir de recevoir sur son plateau ici à Kermassar à la maison de la femme ben artiste ben chanteuse bo xamne elle nous a tous surpris, comme on dit elle a surpris plus d'un. Je vais juste récapituler les statistiques pour la présenter. Les chiffres et les mots vont parler d'eux-mêmes. Alors, déjà, gagner ben single que c'est pour débuter sa carrière. Et en un mois, elle fait plus d'1 172 000 vues, 25 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, 183 000 abonnés sur son Instagram. Samsung, qui la recrute comme... égérie, elle visite les boutiques de Samsung pour sa promotion. Elle fait la première partie, tenez-vous bien, d'Aya Nakamura. Et j'ai l'honneur de vous présenter, chers abonnés de Twin Studio TV, Sonia Diop. Sonia Diop, bienvenue à Kermassar. Merci, merci à toi, merci à tout le monde et Maïnouwa Kermassar Diop. C'était une nuit, comme d'habitude, c'est l'heure du coucher. Alors je me dis, bon, je vais naviguer un peu sur le net, voilà, en attendant. Alors là, j'ouvre Internet et je vois tout de suite la vignette sur YouTube, Criminal Love. Je dis, tiens, ah, comme les musiques au Nigeria, il y a des affaires. Alors je clique et je vois Binta qui a joué dans Nafi. Ah, oh, mais c'est quoi ça? Bon, on va écouter. Et je tombe sur ce clip, sur cette musique qui m'a vraiment époustouflé. Parce qu'avant même de voir ça sur YouTube, j'étais par-ci, par-là, et j'entendais la musique comme ça, par hasard. Et je me dis, mais pourtant, il y a le son qui c'est bon. Hein? Et pour, lorsque je vois que c'est Sonia qui chante, alors je t'assure qu'instantanément, j'ai voulu t'appeler. Mais j'ai dit, il est 2h du matin, je ne vais pas le faire. Mais j'ai tellement eu envie de le faire. Et j'ai écouté la chanson 4 fois. Revu le clip avant de m'endormir. Et c'est le lendemain, tôt le matin, que je t'ai appelé. Pour te dire que je n'ai jamais eu à kiffer un tel morceau. Merci beaucoup. Et ça, c'était mon, comment on dit, mon big up d'entrée. Waouh, merci beaucoup. Vraiment, ça fait plaisir. Alors, si je te demandais, qui est Sonia? Sonia se présente. Que vas-tu dire? Je m'appelle Sonia Diop. Je suis actrice, chanteuse, interprète. Et voilà, je me présenterai tout simplement comme une artiste. Une artiste, en grosso modo, en général. En général. Comme on dit chez les médecins, un généraliste. Toi, tu es une généraliste. J'essaie d'être une généraliste. Alors, question suivante. On va faire très, très brièvement parce que comme tu es très prise, tu m'as expliqué. On ne va donc pas te retenir plus longtemps. On va tout de suite attaquer. Quand? Où? Et comment as-tu fait de la musique? Quand c'est... As-tu commencé, je veux dire? Quand j'ai commencé à chanter, c'est quand j'ai intégré pour la première fois un groupe qui s'appelle Friends Lover de Philippe Montero. C'était en 2005. 2005. Sinon, je chantais tout le temps. C'était mon rêve de devenir chanteuse. Mm-hmm. Maintenant... Où j'ai chanté? En fait, où tu as commencé? Est-ce que c'est dans un conservatoire? Bon, tu as même dit où avec Philippe Montero. Mais est-ce qu'il y a un lieu particulier, une occasion particulière à la maison, à l'école, dans des centres aérés, des clubs culturels? Donc à l'école, à la maison, je chantais déjà. Et tout le temps, je fatiguais tout le monde déjà. Et partout, hein, je veux dire... Tout le temps de me donner way, tout le monde est que de me way. Donc c'est partout. C'est partout. Donc la réponse au où, c'est partout.
C'est partout, je n'arrête pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré pour le comment? Quelqu'un qui a inspiré, t'as entendu une chanson en particulier, tu as vu un artiste ou une artiste qui t'a inspiré? Il y en a plusieurs qui m'ont inspiré. Il y en a plusieurs qui me parlaient tout le temps à chaque fois que j'écoutais leurs chansons. Et je citerai Phil Collins, par exemple. Phil Collins. Oui, qui m'a beaucoup inspiré. Et il y a aussi Aminata Falk et beaucoup d'autres. Ok. Il y a Youssou N'Dour, il y a Ismaël Lo, Cher Lo. Tu vois, donc c'est... Et c'est un voisin aussi, hein? Ah oui? Ah ouais, c'est un élément de commissaire lui aussi. Ah moi, je me fais un big up à lui. Alors, c'est clair. Donc, mais... Et tu commences de 2015 à 2018, fin 2018, le 1er décembre, plus précisément, c'est le boom. C'est le boom, quoi. C'est Criminal Love. 14 ans, quand même. Pourquoi 14 ans, c'est de la... C'est quoi? C'est de la folie, la persévérance ou je sais pas, moi. La persévérance. Je dirais bien, la patience aussi. Autant il faut toujours se battre. Bon, je ne vais pas voir all la France et mon gun. Parce que chaque jour, je suis depuis que je suis là. Donc, pour ce que je veux, je déjà. Je suis là. Je suis là. Et quand il n'y a pas de plan A, il y a un plan B. Plan B, ouais. Jusqu'à Z, quoi. Ok, tu ok. Tu vois, donc tout le temps, non le Aduna dit demain. Donc, dans ma chère et tout, j'ai laissé le temps. En même temps, Donna a dit mon rôle. Si je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu. Reculer pour mieux sauter. Mieux sauter, etc. Faire autre chose. Voilà. Je suis venu. Je pense que je suis venu. Très bien. Donc, Engogene Criminal Love. Parle-nous un peu de la genèse, de l'histoire de Criminal Love. Ce morceau-là, comment c'est né? On a été inspiré déjà par des amis. C'est comme ça que c'est ça. En fait, dans le Gisbène, un peu le criminal love. Oui, d'Ofkodundo. Mais d'Ofkodundo, il y a une bonne passée, après, je vais expliquer. Et non, le son est gagné. C'est comme ça. Alors, comment quelques bribes, ne pas lui raconter, ne pas connaître le new life exactement comment ça s'est passé. Mais comment tu définis alors, puisque Khamge, il y a pour donc Criminal Love, Moïlan, selon Mbom Limoutundou, selon sa inspiration. Voilà, c'est selon inspiration, c'est nit ku bëgg morom duñu bëggante, mais kenn ki fonkul kenen ki téggu jox ko place am goor wala jigen? Goor bi wala jigen bi, ki jigen la en fait, jigen la arrivé ku goor ki diko dawlo alors que daf ko bëggoon. Légui mom bimu bayé Gandhi, Gandhi boule bi tourner quoi. Ah, ok. Gagne de top quoi, tu vois. Ok, mais, d'accord. Donc c'était trop tard, mom, elle avait tourné la page, donc etc. Donc ouais, bien qu'on ouais pour Gone, y a Jigen. D'accord. En même donc, surtout pour Gone. Madame Jai, Mbegelu Jai, prègle quoi, Mbegelu Jai, une affaire. Voilà, c'est ça. Comme moi, boule bi dit d'agoma kiffé, mais sous contrôle. Ça veut dire quoi, d'agoma barré, mais Jai affaire quoi, dit sagou. Bul nangou da nga ma kiffé mais sous contrôle moi justement da nga ma bëgg mais da nga ma nek dama jaay neex dama dawlo et tout ça. Okay. Après cela qu'elle lui dit so ma téewul doto ma amati bu m la bayé do ma gissati lim la yéné mo up love you fim lay yobbu ak rôle ci lolu. Oh là là. Donc c'est en même temps da fay daf koy déclarer sa flamme qu'elle a et en même temps daf koy prévenir aussi bo ñaké doto gaaw doto ma amati suma togué ba gis né ni ngay continuer damay dem sama yoon et je suis arrivé à plus d'un. Alors donc comme le mort, je vais me répéter un peu, tu as fait les plateaux les plus réputés de ce moment. Yéoulène par exemple, on a vu ils font le buzz. C'est prisé. On a visité une maison Samsung, par exemple, une boutique Samsung. On a une chaîne YouTube, invité Benengini, par exemple. Instagram, depuis que, par exemple, sur une chaîne YouTube, pour le moment, Criminal Love Mofodougou, et tu as plus d'un million de vues en deux mois. On a plus d'un million de vues. Ça veut dire que moi, personnellement,
joxna la 30 vues lu mu dédé dé n'est-ce pas Instagram 183 000 abonnés à Instagram. Donc ça veut dire qu'avec 100 000 abonnés, ne serait-ce que ça, vraiment tu es une vendeuse de produits. Donc félicitations, en 2 mois, ce n'est pas donné à tout le monde, j'ai fait le tour de YouTube et j'ai vu des artistes qui beaucoup plus célèbres, qui ont fait beaucoup de chansons, qui cartonnent, et pourtant, il y a 1 million de vues sur 4 ans par exemple. On a vu ça. Alors, ce qui nous amène à Aya Nakamura, sa première partie. Aya Nakamura, c'est Instaï, c'est la number one de la France et dans le monde entier. Surtout avec Djadja, Bimouaï, etc. Comment tu as décroché, ou bien ton manager ou ton staff a décroché Aya Nakamura? Parce qu'il y a Savan Record, Savan, qui est mon label. Ok. Donc, Savan Records. Savan Record, oui. Ok, ok. Donc, le label Boumak l'a déjà. Vraiment, il y a vraiment des gens qui travaillent. Ok. Donc, man travaille sur ce que j'ai fait. Je suis juste là, nous sommes là. Tu vas aller dans la première partie, Aya Nakamura. Et tu étais la seule? Non, il y avait Enzo Jamdong. Il y avait d'autres artistes. Moi, je l'ai fait. Ok. Parce que je me jouais après, je ne suis pas restée. D'accord. Et comment c'était? Un plateau comme ça? Ouais, c'est comme, je veux dire, plateau chez artiste du Ndaw. Oui. Bon, maintenant tu donnes plateau là. Performance, mais moi, importance. Donc oui, que ça soit un plateau où Aya Nakamura allait jouer, certainement, ça fait un petit truc, mais bon, c'est toujours un plateau. C'est pour un moi, plateau. Un plateau, c'est un plateau, il faut... Tu respectes tous les plateaux, exactement. Quoi. Exactement. Alors, maintenant, la célébrité. La célébrité, c'est-à-dire, c'est vrai, on t'a vu déjà jouer dans un film, et après, dans une série, Nafi, mais après, la musique, Bingagene Sombi, on te voit partout, on t'entend partout, mais cette célébrité-là, est-ce qu'elle t'a surprise? Wow! On le sent de l'église! Comment est-ce que ça t'a surprise? D'accord, le diké. Nous me disons déjà moi nekuma nit bo xamantene dafa bëgg di fess paradoxe hein? C'est très paradoxal, contradictoire hein? Oui mais c'est ça mais bi mu ñëwé en fait c'est sama entourage ñomay né est-ce que tu réalises en fait ñomay dox ci mbéte bi tranquillement di dess sama. Non, tu vis ta vie comme d'habitude. Je vis ma vie ouais. Et mes amis, ma famille me disent écoute, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas te comporter comme ça parce que les gens te reconnaissent et tout. Mais moi, dans ma tête, en fait, même quand je me donne un rombo, peut-être que je me donne un rombo, je me donne bizarrement, peut-être que je me donne un rombo, je me fait comme je me donne un rombo. Parce que moi, c'est un personnage, par exemple, Binta. Je ne m'appelle plus Binta, je m'appelle Sonia. Donc criminel love aussi, ok, ouais, mais après man nid là en fait. Oui, mais quand même, comme le meilleur, c'est-à-dire ta famille qui a commencé à changer peut-être sa perception peut-être sur toi. C'est ce qui m'aide un peu. Par exemple, là nous les gens, attention, Sonia les stars, voilà, ils sont dans le charac d'une boutique. Ça peut ne rien changer chez toi. Ça mais les gens, tu as senti que... Oui, j'ai senti, mais moi, ça n'a rien changé en moi, dans ma tête, non. Ok. Je suis un peu bizarre, mec. Tu es un peu bizarre, hein. je constate. En fait, je peux en déduire que ça te... Ça va. Ça te va, ça te dérange pas trop. Non, ça me dérange pas, parce que au contraire, je suis très contente que Sénégalais aient pris ça comme ça, que tout le monde l'ait pris comme ça, de consommer et que mon dernier. Vous devez être dans un shop, par exemple. Vous devez être dans un store. Voilà, même station. Essentiel. Voilà. Des fois, nous avons fait des foires, des fois, les gens m'appelaient pour me dire
on n'arrête pas de mettre le son et tout, ouais. au mois de décembre. Et ouais. ça venait juste de sortir. Ouais, ouais. Maraudé aussi, Monsieur Maraudé, tu vois. Par là aussi. Donc, voilà, ni Tidjapnyeb déjà. Je pense que l'autre moment m'a le plus touché, ça. Parce que pour nous, nous sommes tous Savan Ricord et ces gens qui m'entourent, ma famille, mes collaborateurs, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ils n'ont pas une ampleur vie. Je ne sais pas moi, si tu devais choisir quelqu'un pour faire un duo, tu choisirais qui tout de suite? Tout de suite. Quand on a dit que tu es un manager, tu es un manager, non, il faut que nous fassions un duo avec Sonia. Quel artiste tu kiffes bien pour ça? Je veux frustrer personne. Déjà, et honnêtement, il y en a plusieurs avec qui j'aimerais faire des duos. Mm-hmm. Un duo plutôt. Il y en a plusieurs, vraiment. Oui. Donc, je ne vais pas venir choisir parce que c'est un peu en fait. Okay. Après, là, nous avons un plan B, un programme B, nous avons un peu de en fonction de ça, si vous savez qui, vous avez un peu de après que le Tegouchi, après que le Tegouchi. Alors, maintenant, musique et cinéma. On t'a vu dans Binta, n'est-ce pas? Moi, je t'ai connu lorsque tu venais faire un premier casting pour une série. Après, on t'a vu dans Binta, dans laquelle tu as incarné la mère blessée à la recherche de sa fille, regrettant son passé très lourd, essayant de refaire sa vie, reprendre sa fille, etc. Et là, on te voit donc un peu criminel, tu vois, un peu jailbreak bandit, tu vois. Alors, tu étais plus à l'aise dans quel rôle? Le rôle de l'actrice ou le rôle de la musique? Les deux. Ok. Les deux. Non, tu te dis, mais j'aime bien jouer, mais j'aime quand même la musique. Hein, j'aime les au deux. Au contraire. J'ai toujours aimé les deux depuis toute petite. Mm-hmm. Et il y a une troisième que je vous ferai découvrir, Inch'Allah, très vite. Ah, un troisième style, on attend avec impatience. comment vit monsieur, parce que tu es marié, on le rappelle, tu es marié. Comment vit le monsieur avec comment vit-il cette célébrité, cette vie artistique qui décolle? Il est très 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 content pour moi. Parce que je le dis entre parenthèses, malheureusement les hommes sont tellement hypocrites et égoïstes, je le dis, parce que oui, il y a beaucoup d'artistes, comédiennes, surtout chanteuses, qui lâchent leur art, qui lâchent le cinéma, qui lâchent le mannequinat, qui lâchent la musique. Parce que c'est un tchèque mochay, tac, gislen tchitelei, noblen, tac, len el baï. Donc voilà. C'est un peu égoïste et hypocrite, je le dis tout de suite. Ça, c'est vrai. Alors toi, apparemment, ce n'est pas le cas. Non, moi même, en fait, on s'est mariés avant même que ma carrière ne décolle. Mm-hmm. Quand bien même que je tournais d'autres séries, d'autres trucs qui ne sont pas sortis jusqu'à présent. Mm-hmm. Et j'étais toujours dans le milieu de la musique. Mm-hmm. Mais il m'a toujours soutenu. À chaque fois que je baissais les bras, parce que des fois, il est découragé et tout, il me relevait. Il m'aidait à me relever, il m'épaulait, il me disait vas-y, tu as du talent et tu vas y arriver. Mais il faut reconnaître quand même que le temps d'enregistrement, de répétition, les plateaux à faire surtout, les invitations, les interviews, c'est prenant. Très prenant. Des fois, même les jours de fête, tu n'es pas chez toi. Il s'attendait à ça? Ouais, je le préparais un peu quand même. Hein? Je le préparais un peu. Ok. Ouais. Ah, tu le préparais, tu lui disais, attention, hein, on risque un jour que tu me vois, ne serait-ce que peut-être deux jours par semaine, deux heures par semaine. Mais bon, après, on essaie de... Uh-huh. On essaie ça de va, gérer. Ça va. Ça va? Ouais. Et je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, parfois des... de nouveaux prétendants, hein, je le dis, parce que les hommes, quand même, oh, mais rare, je vais essayer de tenter ma chance. Et là, parle à ma main, peut-être. Pourquoi pas, hein, ça arrive parfois, parce que les hommes, ils sont intenables. Ouais, mais ça dépend, en fait. Mm-hmm. Ça dépend. Mm-hmm. Les hommes sont intenables, certainement, mais bon, une femme mariée, on doit la respecter. Oui. Et on doit même se respecter en tant que. Comme pour ne pas draguer une femme mariée. Ouais. Donc du coup, il n'y a pas de dialogue là-bas. Ouais. Il n'y a vraiment pas de dialogue. Mm-hmm. Okay. Hein, c'est juste, on se respecte et puis, puis voilà, ça se passe bien. Est-ce que Amgue, ben appelle. Moi je parle des Youssoundour peut-être, des Shirlo, des Kumba Gaolo. Moi je parle de ces superstars là. Non mais tu sais, les stars n'ont pas le temps.
Donc voilà, j'ai reçu plein d'appels qui m'ont marqué. Et ça vient de mes collègues comme toi, ça vient des gens qui m'entourent, et d'autres gens, des personnes extérieures, je ramenais. Des fois, je suis malade, des fois, je suis malade, mais bon. Qui est anal en fait. Les ondes, ils me transmettent, je me sens bien en fait. Ils me transmettent vraiment des ondes positives. Ils font le buzz. Donc, ils font le buzz, j'ai vu sur Internet. Comment on dit, elle a fait un coup, c'est un coup de colère ou un cri du cœur ou elle a dit, passe-moi l'expression, c'est comme si elle avait pété un câble quoi. Si tu n'aimes pas là cette personne, c'était quoi? C'était quoi la raison de ce pétard là? Non, j'ai pétard roman en fait, c'est juste que ces moments c'est ce qui s'est produit, c'est ce que je devais dire. Parce que vous faites que porteur de voix, de faire am normal. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Non, rien du tout, rien. On parlait, j'ai résumé. C'est sur le plateau, c'est dehors, c'est quoi? Non, j'ai résumé juste contenu, émission en pendant qu'on était là-bas. Okay. Et j'en ai fait mon mot de la fin. Et moi je reconnais, mais c'était rien d'agressif ni quoi que ce soit. Peut-être que j'ai parlé avec le cœur, mais je voulais qu'on c'était comme ça. Sur le tas, l'Olendon Wartane, on était là, les jeunes toc sur plateau, partager, ni sensibiliser, ni gagner des informations, etc. Donc, est-ce que une chanson, texte Yodulwai, ou le type de musicien Yodul Bokal, chanson, est-ce qu'il y a quelque chose qui te répugne dans la musique? Il y a quelque chose que tu n'aimes pas faire en tant que musicien, musicienne? Non. Ce que je n'aime pas. Je veux dire, il y a un texte Yodul. Bon, criminal love, il n'y a rien de méchant. Mais imaginez, par exemple, on a vu des chansons, des textes qui ont fait beaucoup de polémiques. Ouais, mais bon, c'est leur style, c'est leur vibe. Donc, mais c'est un style qui vend aussi. Il y aura beaucoup de polémiques, c'est vrai, mais ça vend. Ouais. Il y a ben hit bo xamantene bu guéné instant yi man instant yi moy sama chanson préférée te guénougul mo xamna bopam bu ba tu vois on est nañu and ak jamono ñu bañé diisel affaire yi ci kaw lepp ci respect ñu and ci respect xalé yi ñun ñep ay mo ñun légui ñoo jital ñoo nek magu xalé yi et tout ñun ñoo leen wara won yoon bi. D'accord. Le but c'est pas de juger ou damay def li duma def lé. Est-ce que li ngay def baxna? Est-ce que li ngay def baxul? Da ngay tok nga réfléchir nga wax ak sa bokk ba paré. Oui. Et puis après nga défar nga liggéey li nga wara liggéey nga joxé ko. Mais si ce feeling yow sa yek c'est important. OK. Donc on va juste terminer sur un message que tu voudrais envoyer ou dire aux Sénégalais. Il y a les élections qui arrivent, on est en pleine campagne. Je sais, tu vas me dire que tu ne fais pas de la politique, c'est vrai. Pas mais tu auras un message peut-être d'apaisement, je ne sais pas moi. Il y a des messages que tu vas envoyer à Samoro Moussarna, les artistes, musiciens, etc. En fait, ce que je donne à la politique, c'était vite fait. Je l'ai dit l'autre jour, donc c'est sur le net. Donc pour l'instant, je vais avec le Sénégal, Djam, Sarfi. Je remercie tout le monde, comme nous avons fait. Ma mère, ma famille, mes amis, Yéni. Je remercie Savan Record. Savan Record. Ça m'a gagné beaucoup. Qui est derrière Savan Record? Qui est derrière? Parce que j'ai eu quelques infos. Ce sont pas les trois là. Qui ça? Les trois filles. On verra bien. Hein? On verra bien. C'est une ça aussi. Je vais laisser à Savan le temps de s'installer et de sortir. Ouais. Ils vont sortir par eux-mêmes et puis se dévoiler. Ok. Vous expliquer, Inch'Allah. Bon, tu sais, parfois on se renseigne.
Ouais, mais on verra. Tu n'as pas dit non? J'ai pas dit oui non plus. Donc, si on choisit ce qu'on veut, voilà. Absolument. Donc, ce sera aux gens de se faire leurs propres idées. Voilà. Et nous te remercions d'avoir quitté Norfoire jusqu'à Kermassar pour venir répondre à notre invitation. Ce fut un honneur. Notre TV qui démarre. Et vraiment, je me suis dit, est-ce qu'elle aura le temps pour nous? Bien sûr. Ça a été très modeste de ta part. Non, c'est très normal, gentil. C'est tout à fait normal. Et vraiment, tu as dit oui tout de suite. Absolument. Et ton manager aussi qu'on remercie. Vous ne connaissiez même pas le chemin Bien Ligno. Donc, on vous remercie tous d'être venus. Et yalla jappale, yalla ñu jëm kanam. Et wa Kermassar bi yépp ñu ngi xaar. On espère que tu vas faire un plateau, Bien sûr, ça me fera plaisir. Et on attend ton produit avec ton prochain single, avec impatience. Inch'Allah. Merci d'être venu. Merci. Alors, chers téléspectateurs de la chaîne YouTube, nous allons dire vous êtes abonné à la chaîne Twin Studio TV pour mener cette année. Nous allons vous interviewer Sonia. Merci beaucoup. Merci à toi. Ciao. All my cheaper, my gonna natural. Bon, my jegge, many kuram, my malal. Bunyu hullo, my many damadov. Bunyu rero, gadali jahaso. One ma sama love, joh malima yellow. Bulman the busa hol, lingo bagalai don. Sumanangu control, dafanara chol. Deng manara follow, night and day boy. Manku yek, lingo yek, fima talk. Amul hiro jarong ayo mangi lay hol. Bul ma jay pe te man mi rek beug flex ñewal fi rek ñu tek nangul boy nak ñu bek criminal love 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 criminal criminal love love